Bon, bah, c'est parti! Ah, est-ce que mon micro est actif? Ouais, nickel! Alors, on avait pété le cul du dragon. Effectivement, il en fallait une. Ah, j'ai fermé la fenêtre, Julia, hein, c'est bon, hein, tu m'entendras pas dire de gros mots. Ah, c'est ma voisine préférée, ça. Ah, squelette, ta gueule. Il est où? Ah, voilà, il est là. Personnellement, Julia, je mérite de parler comme ça aujourd'hui après ce que j'ai vu ce matin, tu vois. C'est... Rapprocher, ça coûtera pas plus cher. Et merde. Ah. Ah là là. Voilà. Qu'est-ce qu'il a à courir, lui? Et putain, mais je roule sur quoi depuis ce matin? Ah, le tapis. Oh putain. Ah, j'ai cru qu'il avait bugué derrière en regardant le mur. Ah, oh, super, des madeleines. Ah, tu peux même en faire maintenant si tu veux, parce que je vais attaquer 3 heures de stream. Ah, le temple de Garibaldi. Putain, la légendaire caméra de la PlayStation. Alors quand même, je tiens à préciser, je joue à la PlayStation 2 sur mon PC avec une manette d'Xbox quand même, hein. Le mec a rien compris au game, quoi. Ah, puis ma PS2 est dans sa boîte, donc... On va essayer de choper un maximum de cristaux rouges. Monstre porc. Ah, c'est en bas.
Et ils ont de ces noms. Oula. Ah bah c'est bon. Alors fais voir la carte. Ah y'a qu'une. Bah ok. Combien je suis? 7%. Putain, ça va vite hein. Bon y'a rien. Non. Oh, $1. $5. Yes. Oh putain, ça sent le boss. I've been waiting for you, Hector. Devil Forge Master. How do you know me? Who are you? Saint Germain. Ah, Saint Germain. Bandy words with you. I have an urgent request. Please. Refrain from pursuing Isaac any further. Bastard! So you're with Isaac! But that does not follow. Isaac wishes to fight me. For what purpose do you make this request? This will not make sense to you, but to put it simply, I seek to maintain the flow of a greater will. This is pointless. Out of my way! Your beloved was killed on false allegations that she was a witch. I know how you feel, and I sympathize truly, but please look past Rex, your own dragon. How do you know of these things? That... La cinématique, elle saute, hein. J'ai pas trouvé comment résoudre ça. I cannot act upon that knowledge. That is my arrangement. I may only observe. I have no choice but to excuse myself. Please, consider my request. The world hangs in the balance. Goodbye. Ah non Arta, c'était mignon mais j'ouvre pas la fenêtre là. Je me pèle hein. Yo, je crois qu'il y a un truc ici. Enfin, il y a un mur fissuré. On verra ça plus tard. Ouais, ou peut-être pas en fait, je sais pas. Bon. C'est là l'entrée? Non, c'est quoi ça? Un billet magique. Ça sert à quoi? Objet, voilà. Ah ouais, c'est vrai. Hot dog, potion, billet souvenir. Quel niveau? J'avais pas vu. Ok, je vais monter niveau 10. En tout cas sur PC ça n'a rien à voir hein. C'est moins pixelisé, c'est fluide, c'est... Bon après c'est normal hein, mais je vais pas arrêter de m'extasier. Ah carrément. Ah merci. On va aller voir au fond.
Putain, les musiques, elles sont incroyables dans ce jeu. Bon, il y aura peut-être une sorte d'ascenseur après, je sais pas. Il tape quoi là, le type? Ah, c'est ça, ça se rejoint. Oh, tiens! Monstre rampant! Oh la vache! Ah yes! Voilà, c'est bon, il n'y a plus de monstres. Ah, attends, ça part là. Et il y a là aussi. C'est un labyrinthe le machin. Il se bat contre quoi lui? Ah, il y en a encore? Il est cassé ce mur. Non, je peux rien faire. On va d'abord aller par là. Ouais, je crois que ça rejoint. C'est quoi ça? Oh! Oh, il y a du monde. Ma vie, ça va pas. Alors attends. Et l'autre, il en est où? Ah, 34 quand même, hein. Faut que je finisse de le faire évoluer. Ah ouais, ça va partout, quoi. Ah putain. Oh là là, putain, maintenant ça monte. Peut-être en bas ça rejoint. Bon, on va aller voir en bas. C'est quoi, c'est une porte dans la porte encore ou... Ah! Yes! Ah, je vais m'en faire un stock là. Oh! Magnifique! Vas-y, crucifie. Voilà.
Ah, dis-moi que c'est la carte. Yes! Ah, effectivement. Ok, ok, ok. Il y a le deuxième étage. Il y a une salle de sauvegarde en bas. Là, ça fait le tour, ça fait le tour, ça fait le tour. On revient. Ouais, à mon avis, il faut que je revienne. Je vais choper un familier, je vais revenir. Ça doit être ça. C'est pas possible autrement. Oh, une brique de lait, tiens. Ah, il y a deux personnes dans le live, excusez-moi, j'avais pas vu. Bonsoir. Attends. On change un peu. Quel niveau elle est? Ah bah ils ont qu'un niveau d'écart, ça va. On va y passer 2 heures. Putain, ça pop en continu. Attends, faut que je change de... Ah, ça y est. Ouais, je peux rien faire d'autre pour le moment.
Donc on va essayer d'aller au fond. Ça serait bien que ça soit un couloir en... ouais, qui se rejoigne. Et après il faudrait que je redescende en bas. Et après on peut continuer, ouais. On va voir. Ah c'est ça, ça tourne. Ah c'est ça, c'est bon. Alors je vais juste redescendre en bas. Aïe. Ouais, je vais les esquiver sinon on en a pour 2 heures encore. En plus ça fait que rip-hop. Merci pour ton billet magique. J'ai trop obligé de claquer la brique de lait. Hein. Oh yes! Putain, ça fait un moment que je vous avais pas croisé, vous. Ah, là aussi. Putain, j'ai fait tout ça pour un billet souvenir. Ah, c'est nerf. Un antidote. Putain, ils m'ont fait juste venir pour un anti. Ouais. Je suis sûr que vous... ils empoisonnent en plus. Là, il doit y avoir une salle de sauvegarde, on monte, on va chercher un truc en haut, et après on monte au deuxième, je crois. Bon, il est presque. Je vérifie juste un truc.
Ok. Ok. C'est quoi que j'ai en plus 14? Ah, la force, bien! Oh putain. Ouais, mon avis. Attends. Gauche, droite, gauche, droite. Mais non, mais. Ouais, y a un souci là. Y a un souci avec les joysticks. Hein. Ou la caméra, je sais pas. Putain, donne. Voilà. Ah. Oh, déjà? Non, il crée un œuf. Ok. Ah oui, je m'en souviens. Ah, la salle de sauvegarde. Qu'est-ce que je fous dehors? Oh, sympa ça. C'est pas Vasago ça? Ah non. C'est bien, ça change un peu de musique. Ah oh, putain, encore vous. Et nouveau truc. Ah. Ah, il faut une épée. Ah, deux épées courtes, il faut. Ouais, je suis obligé d'en crafter. Épée à deux mains, d'accord, très bien. Un nouveau casque. Ok, j'ai une épée à deux mains. Ouais, parce qu'il faut que je fasse toutes les épées du jeu si je veux la meilleure épée. Ah, là, ça va être un peu plus galère. Ouf. T'en dirais quand il la manipule, il a la force au cul quand même, hein.
Ah. C'est là qu'il y a un passage secret. Oula. C'est ici. Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour le péter pour le moment. C'est bon, reviens. En vrai, je vais reprendre l'autre épée. Hein. Ouais, je préfère, il est un peu plus speed avec. Hop, c'est quoi ça? La mémoire ancienne, ok. D'accord, il y a veine du preux et veine sacrée. Ok. Tiens! Une ép- ouais, je crois qu'il a faux aussi. Ah, on va pouvoir faire des haches. Ah putain, peut-être pas. Merde. Ah oui. De l'ambre de cérémonie. Non, encore ? Tiens.
Non mais attends, ne me soigne pas, je suis full life, calme-toi. Qui c'est qui m'a envoyé un truc? Oh. Ah bien. Ah. Cool. Oh là. Tu vas reculer jusqu'au fond de la map ou... Ah bâtard. Oh mais putain! Ah, tais-toi. Ah, pour encore faire des trucs. Ok. Non, je veux pas de jalon. Et là, il refaut une mémoire ancienne, ok. Faut que je recrafte une... Je vais faire un stock de... d'épées courtes. Je sais que je vais en avoir besoin des épées courtes. Je vais encore XP? Oh putain, ouais! Combien en dollars? Oh putain. Putain, c'est rien dans ce jeu. Ouais. Ah mais il attaque normalement sous mon contrôle, bah, c'est bien. Ah ouais, ça ferait pas de mal. Oh, s'ils m'ont fait venir pour rien. Oh, parce que je suis à 50% du temple, hein, quand même. Ah, c'est gentil, un antidote. Bien.
Oh, niveau des épées, ça va, je me suis bien démerdé, hein. Ah. Oh, c'est qui lui? Ah. Eh punaise. Ça doit rejoindre. Ou peut-être pas, en fait, je sais pas. Ah ouais, cool. Merci. Ah, je vais m'en faire un stock. Oh, c'est quoi ça? Y'a que lui qui XP ou... Ah ouais, putain. Faut que je fasse XP la petite un peu. Merde, putain, je voulais voir ce qu'il avait à voler. Ouh, fait mal lui. Bah, on y est presque. Il ne doit plus manquer grand chose là en cristaux pour le faire évoluer. C'est quoi ce laser? C'est pas déjà là. Y'a un boss? Y'a un boss. Pourquoi y'a un boss?
Quoi je fasse au boss déjà? J'aurais dû monter au deuxième étage. Ah oh, putain, mais va le deviner ça. Putain, je suis déjà à la salle du boss. Oh putain, alors là pour descendre en plus. On va aller voir. Wait. Oh putain, j'en étais sûr. Are you the Devil Forge Master? That whip, could he be? Answer me. Are you the Devil Forge Master? I am. Then this is the hour of your death. Oh, oh, oh. Il est résistant le bâtard. Ah ouais, eh ouais, c'est ça, il y a une autre entrée pour sortir. On va revenir en arrière, on va explorer le deuxième étage. Ah bâtard, ton eau bénite. Ouais, ouais, non mais là je suis en train de me faire déboîter là. Ah, je peux le crafter ça? On s'en fout. Ah, quand même. On your oath, are you truly the Devil Forge Master? And if I am? For one that served under Dracula, you seem much too weak. It's been said that the Devil Forge Master's power rivals that of death. Ah, so you are hunting for Isaac as well, I see. As well? Then you're not... Wait... I recall there was another Devil Forge Master. They say he betrayed Dracula and forswore his powers, but that was 3 years ago during the war. Could he have survived? It cannot be. Believe what you like, but answer me this. Are you not Trevor Belmont, the one who defeated Lord Dracula? That I am, though I did not fight alone. There were many brave warriors beside me. Y compris Alucard. Hector. Hector. I shall remember that name. Bon. Alors attends.
On va revenir en arrière, on va explorer le deuxième étage et puis on va se barrer. Putain, si j'avais su. Putain, lui, il lui manque rien. Après, je ferai évoluer la fée. Ok, donc là faut que je descende là. Il y a une salle de sauvegarde. Je redescends, ouais. On va cavaler, hein. Alors, on y est presque. Ah, yes. C'était ça? Ah. Je sais pas si c'était une bonne idée de le faire évoluer en... Bon, c'est pas grave, je repartirai sur un Magmar. Allez, à ton tour. Non, arrête de soigner. Ah!
Faudra que je reparte sur un Juggernaut. Je sais plus comment on fait à le... Ok, donc Juggernaut, comment je fais? Il me faut Golem plus 70... Non, attends. Ok. Ah, ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Je pensais que je pouvais le voler, mais bon, il a pas l'air d'avoir envie de bouger. Alors on va aller chez... Eh ben on va aller chez Julia, à la boutique de Julia. Attends, qu'est-ce que j'ai pour y aller? Ok. Ah, on y est presque. Oh putain. C'est pas mal ce sort. Putain, je commence à avoir la dalle. Ouais, on va passer par là. Oh putain! Yes! Ah, j'ai oublié là. Ah putain, c'est encore eux. Merde, loupé. Ah! Putain.
Ah, c'est bon, on est de retour. Attends, mais je peux poser un jalon n'importe où maintenant que j'y pense. Ah, ça me donne une idée, tiens. Ah! Et forcément, si vous fermez la porte. Comment on pose un jalon déjà? Comment j'ai fait? Ah voilà. Bonsoir, monsieur Nini. Oh bonjour. Putain merde. Si t'arrives. Je suis en live, j'ai oublié de couper le Discord. Tu m'as fait sursauter. Sorry. J'ai oublié de couper le Discord tout à l'heure. Désolé. Oh putain. Eh, hey, j'ai eu la notif, mais après j'étais parti au téléphone avec Ibi prendre des news. Ah! Suite à. Bah, bonjour le chat, hein, si quelqu'un m'entend. Bah, y'a deux personnes donc je sais pas qui c'est. D'accord. Il faut l'être mid. Ah, ouais, moi je t'ai vu dans le vocal, je pensais que t'avais terminé, tu vois. Bah, non, en fait, je me suis dit tout à l'heure, tu sais, j'ai lancé le chat, j'ai dit bon, bah, y'a quelqu'un, y'a personne. Je suis une merde. Pour le live de... Bon écoute, si on est que tous les deux hein. Sur Castlevania. Ouais. Je suis dans le temple Garibaldi. Ah. Il est à Nice. Je m'inquiéterais quand même si on avait des temps comme ça chez nous. Ouais, j'avoue. Ce serait perturbant quand même un peu... Imagine, tu veux prendre le tramway, tu te gourdes en droit, bon, tu finis face à une armure géante qui veut te couper en deux. Pourquoi elle voudrait forcément me couper en deux? Elle peut être sympa, non? Est-ce que t'as déjà vu des armures géantes armées sympas dans Castlevania? Non, mais dans le géant de fer, oui. Oui, mais là, c'est Castlevania, c'est pas le géant de fer. C'est... T'as rejoint le live? Ouais, je suis allé voir vite fait... Mais après, vu que j'étais en direct, du coup, ah bah oui. Je vais juste couper le son du live pour garder l'image sur un des écrans, parce qu'à côté, je me suis attaqué la nouvelle saison de Walking Dead. Ah. Ah, j'ai regardé What If, au fait. Ah, pas mal, hein. Ouais, et je me demande du coup s'ils vont se contenter de cet épisode-là ou s'il va y avoir un deuxième. Bah, à mon avis... Ah, on va pas spoiler, parce que si dans le chat, il y en a qui l'ont pas vu... Parce que bon, sans spoil, hein, on va dire que la fin laisserait présager d'une suite. Mais après, c'est vrai que c'est une compile de What If et pas basée que sur Marvel Zombie, donc bon. C'est ça. C'est ça qui me fait tiquer sur est-ce qu'il va y avoir une suite ou pas. J'ai fait évoluer mon golem, la troisième évolution, mais... Je vais en recréer un parce que c'est... pas vraiment ça que je voulais en fait. J'ai fait un chevalier squelette. Alors attention, hein, il est très fort au combat, hein, mais je voulais... Attends. En gros, t'es en train de m'expliquer que... Désolé de te couper, hein. Mais Curse of Darkness, c'est un Castlevania slash Digimon ou comment ça se passe? Ouais, c'est pour ça que ça en fait un des meilleurs Castlevania. D'accord, tu peux avoir des familiers, les faire évoluer au combat. Bah, obligatoirement, tu vas en trouver dans le jeu en fait. Donc là, j'ai... Tu vois, voilà. J'ai ma fée qui soigne, j'ai mon démon au corps à corps. Après, si je me souviens, j'ai un corbeau qui peut évoluer en phénix ou en dragon. Enfin, en petit dragon. Un corbeau qui passe à un dragon. J'ai une citrouille aussi, mais ça, je sais plus. Et en fait, si tu veux, c'est...
L'évolution qu'ils prennent, ça dépend de l'arme que j'utilise. C'est-à-dire que quand je vais taper des monstres, ils vont me lâcher des cristaux, des rouges, des bleus, des jaunes, des verts. D'accord. Et peut-être des blancs, mais je suis... Non, je crois pas. Et bref, et tes démons mangent ses cristaux. Et quand t'en as un qui en mange 40, il va avoir sa deuxième évolution. Et s'il en mange 90, il a sa troisième évolution. Et il faut... Ouais, c'est un peu comme le point frais au super bon, quoi. Bah, il faut savoir quoi lui donner, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, elle a fait pour sa troisième évolution. Il faut uniquement des cristaux rouges, donc j'utilise que des épées. Ok. Mais l'autre, j'aurais dû débloquer un Juggernaut, parce que Juggernaut, après, il pète les murs et je peux accéder à des zones secrètes, mais... certains... Alors, tes démons te lâchent possiblement des œufs, des coquilles, et il faut que je retourne au magasin leur donner vie. Là, c'est bien Lucard que t'incarnes. Non, c'est Hector. Hector. À Lucard, là, il... Alucard, il est couché, là. Ah oui, parce que... Hector, c'est qui, du coup? Alors, pour l'histoire, en fait, c'est un... Bah, c'est un des deux forgerons maléfiques de Dracula. Ils fabriquent des familiers, des conneries, des voilà. Avec leur pouvoir maléfique. Et si tu veux, pendant Castlevania 3, quand tu joues Trevor Belmont, peut-être la caméra me casse les couilles. La caméra des jeux Play. Ah, mais je suis revenu. La caméra. Caméra. Ouais, donc si tu veux, il se passe 5 ans après Castlevania 3 où tu joues Trevor Belmont. Ouais. Tu sais que Trevor Belmont dans Castlevania 3, comme tu peux le voir sur Netflix, il fait équipe avec des personnages et Alucard. Là pour le coup, là où j'en suis à la fin de la saison 1, il fait équipe avec Alucard et Steve. Bon ben voilà, ben si tu veux, à la fin dessus, quand Dracula est mort, donc il lâche une malédiction sur le pays de... sur l'Europe, quoi, sur... Voilà, la Valachie. Et Hector, lui, à l'époque, il pensait pas qu'il tuerait des innocents, donc il a pris la fuite, en fait. Et là, le jeu se passe 5 ans après, il poursuit le deuxième forgeron de maléfique de Dracula, Isaac. Parce que c'est à cause de lui que sa femme est morte, voilà. Ah oui, donc... Sauf que... sur fond de vengeance personnelle. Bah, sauf qu'il y a Trevor Belmont qui est là, parce que Isaac, en fait, il cherche à ressusciter Dracula. D'accord. Okay. Donc... Ah oui, putain, j'ai dit que j'allais me téléporter, c'est vrai. Bon, je vais faire ça. Sauf que, bon, j'ai affronté Trevor Belmont vite fait, j'ai enlevé un quart de vie, parce que lui, te sèche, hein, avec son fouet. Ah bah s'il est aussi doué que dans l'anime. Oui oui. Il est d'une précision redoutable, monsieur. C'est ça. Bah bah c'est bien, il y a 3 personnes dans le live. Tu sais que je me suis écouté en double tout à l'heure quand je suis arrivé sur ton live, mec. Genre ma voix elle me fait trop bizarre au micro. Ah merde. Ça me fait une voix trop différente de celle que j'ai en vrai. Je sais pas, c'est chelou. Ou alors c'est juste le retour qui fait ça, j'en sais rien. Oh, oh putain. La gueule du golem. C'est j'ai l'œil et le bon. Je sais pas comment je vais l'appeler. Putain, il a et le même n'empêche. Nom. Heureusement que je suis arrivé en vocal en plein Castlevania et pas en pleine Alien Isolation. Hein. C'est clair. Ah mais j'arrive pas à y jouer plus d'une heure. Hein. C'est chaud, hein. Ah bah il est fait pour être stressant le jeu. Je le continuerai plus tard. Anything else? Par contre t'as vu le Outlast dont je t'avais parlé là, que j'avais vu la miniature sur YouTube? Mais bah apparemment de ce que j'ai vu tout à l'heure dans une vidéo d'un ricain qui joue à Fire Team Elite, parce qu'il en parlait avec son chat, apparemment le prochain Outlast ça va être un coop multi. Ah pourquoi pas. Apparemment. Ah, par contre j'ai plus de bronze. Ça c'est la merde. Ouais c'est pas grave. Alors je peux crafter mes armes, mes armures et tout. Et en fait si tu veux, il faut que je crafte plusieurs épées pour crafter la fameuse épée laser. C'est comme le fouet un peu fouet laser style qu'il a le rival d'Hector et Trevor Belmont. L'épée laser, c'est celle que t'avais la dernière fois sur Symphony of the Night.
Non, j'ai pas d'épée laser sur Symphony of the Night. Elle s'appelait comment alors l'épée cheatée que t'avais trouvée là, qui faisait des vagues d'énergie comme Excalibur dans Warframe? Bah attends, tu sais quoi, je vais regarder le nom. Par contre, faudra m'expliquer dans un château qui est blindé de créatures maléfiques en tout genre, à quoi peut bien servir une épée en bambou? Ouais, oh, elle fait mal quand même, hein. Bon, c'est du bambou, normalement ça fait mal à un humain. Comment elle s'appelle cette épée de merde? Tu sais que tout à l'heure Twitch il m'a tué de rire, bien avant que tu sois en live. Il y a eu quoi? Je fais un saut sur Twitch pour voir qui c'est qui était en live, tu vois. Je mets la vidéo en pause, tu sais, qui apparaît à chaque fois au milieu quand t'es au menu principal de Twitch. Mais s'ils te mettent un streamer en homme, donc je mets pause, il faisait du Fortnite, je m'en battais les couilles. Et je regarde juste en dessous et Twitch qui me marque nos suggestions pendant que Avamine est en ligne. Oh putain. Allez, va-t'en. Bon, elle a un nom à la con, mais je m'en rappelle plus. Je regarderai. C'est quoi ça? Ah, connasse, putain, il y avait la carte de la montagne. Et moi, je la cherchais comme un con. Ah, putain, j'ai oublié une zone. Bah, bravo. Putain, ça voudrait dire faut que je redescende, que je remonte. Ah non, 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 elle est fermée. C'est la zone des squelettes de sang, j'ai rien dit. C'est pour là. J'ai coupé le son du Twitch. Ouais, bah ouais. Parce que le double écho, ça va vite me perturber sur Walking Dead. Attends. Ah, je peux pas prendre deux fois le même démon. Putain. Bon, vas-y, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je t'avais juste vu envoyer le lien, tu sais, tout à l'heure. Et du coup, après, j'étais au téléphone. Et je pensais pas que tu serais en vocal, vu que t'avais pas envoyé de message ni rien. J'ai oublié de l'enlever comme un con. Bon, c'est pas grave, hein, ça... Ouais, oui. Pourquoi? Promis, je dirais pas des horreurs, t'inquiète. Pourquoi je suis revenu là? C'est pas là que je voulais aller. Ah bah bravo, t'arrives à te paumer dans ton propre jeu. Attends, dernier jalon posé. Mais je l'ai posé à la... Oh boy. Eh ben, on va y aller à pied. Ah, shit. Here we go again. Je sais pas si je reprends pas... Il me faudrait Juggernaut. Ouais, Golem, c'est 40... Ah! Ouais. Bon. Je pensais que c'était Alucard à cause des longs cheveux blonds, tu sais. Et du visage assez, assez jeune, quoi. C'est intemporel. Bon, écoute, je verrai à la fin du jeu, va les zones à explorer. N'empêche, ça va, pour une pour un forgeron, il a une tenue bien stylée quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. Bon, ça fait chier, ça veut dire qu'il faut que je remonte tout. Putain! Je suis vraiment un connard, hein. Mais non. Oh, tu me diras, ça, c'est par là? Ouais. Attends, oula, remets ta. Voilà. Tu l'as vu hier le live ou pas dans ces montagnes? Non. Parce que au moment où t'étais en live, nous on était en train de. Ah oui! Enfin, j'ai pas tout vu en fait, si tu veux, parce que vu qu'on joue à Fireteam en même temps, j'avais pas tout le temps les yeux sur le deuxième écran. J'ai affronté un putain de dragon dans. Non, ça je l'ai pas vu. Style un mini Rathalos, on va dire. Bah, ça fera évoluer un peu les familiers. Hein. Putain, en fait, je me suis vraiment déplacé pour rien comme un gros con quoi. J'ai même pas fait de sauvegarde après le boss de fin, après le boss, ouais non ça sert à rien. Bon allez là tant pis. C'est pas comme si c'était loin non plus. On va tracer.
Alors j'ai mangé devant Marvel Zombie, mais j'ai mangé aussi devant un truc. Je me suis lancé une... Je crois que je vais me le refaire en live ce jeu sur PS1. Tu te rappelles du point and click X-Files? Que je connais le nom, mais j'y ai jamais joué. Il était énorme. En plus, c'était vraiment des... Enfin, c'est un film interactif, quoi. T'as vraiment les vrais acteurs et tout, quoi. C'est énorme. Un peu comme un... Comment ça s'appelle les... Un FMV. Voilà. Ouais. Sauf que là, t'incarnes un agent du FBI, il s'appelle l'agent Wilmore, et tu dois retrouver Mulder et Scully qui ont disparu. Okay. Donc ça, c'est sympa, le doublage français, c'est Mulder et Scully, tout, donc... X-Files, tu sais que quand j'étais gamin, X-Files, j'en ai pas regardé des masses d'épisodes. Hein. Ah, moi, celui qui m'aura marqué à vie, c'est les deux épisodes avec Toomes. Moi, j'ai été traumatisé par aux frontières du réel quand j'étais gosse. Ça m'a bloqué de regarder la série, et après X-Files, en fait, les trois quarts des épisodes que j'ai vus, c'était des épisodes un peu... Enfin, quand j'étais gamin, je trouvais ça chiant, tu vois. Ouais. Parce que c'était de l'enquête et des trucs comme ça, tu vois, et ça m'intéresse pas. Ah, il y avait des épisodes... Je crois que l'un des rares épisodes de X-Files dont je me rappelle, c'est que Mulder, il a disparu, et Scully, à l'enquête et tout, elle le retrouve genre sur un... Je crois que c'est un pétrolier ou un bateau cargo, enfin, une connerie dans le genre. Et genre quand elle le retrouve, il est au milieu d'une pièce sombre et il me semble qu'il a mangé des gens, ou on pense qu'il a mangé des gens. Oh merde. Je me rappelle plus trop des bails, mais en gros c'est un truc comme ça. Tu te rappelles de quand à l'époque on parlait de Toomes en soirée? Ouais, ouais, bien sûr. Alors lui, si tu veux, il pouvait compresser son corps, passer dans la plus petite ouverture. Ouais, passer dans les conduits et tout. Il bouffait le foie de ses victimes, voilà. Le gros plan... Il est à moitié dans l'ombre où tu vois juste ses gros. Voilà. Et après, il allait hiberner 30 ans dans des nids qui faisaient avec du papier journal et de la bile. Écoute, hein. Ouais, comme quoi, chacun son lit. Si on m'avait dit que ça servait à coller des trucs, la bile, hein, quand t'as plus de colle à bois en menuiserie, bah, tu prends de la bile. Hein. Mais ça, c'est pareil, j'en ai vu que des extraits de. De cet épisode là, je l'ai jamais vu de moi-même en entier. En fait, du coup, on sait ce que c'est réellement, parce qu'on se doute bien qu'il est pas humain. C'est pas un extraterrestre, c'est une sorte de mutant en fait. Voilà. Ouais. Et en fait, dans le premier épisode, donc c'est dans l'épisode 3, je veux dire, la première apparition, il arrête. Et ensuite, je crois qu'il le libère pour bonne conduite, il le réinsère dans un programme, un truc comme ça. Donc Mulder, tu sais, il se dit non. Il lui manque une victime, on est dans la merde, faut qu'on surveille, quoi, tu vois. Ouais. Donc il va le stalker, en gros. Et à la fin, au final, il réussit à bouffer son psychologue. Tu sais, genre, je vais te manger. Bah, en fait, il est chez une famille d'accueil, mais... salut, bro. Il touchera pas à sa famille, en fait, si tu veux. D'accord. Ah, Thierry, je te préviens juste d'un truc, Kara il est en live. Ouais, évite de dire des conneries s'il te plaît. Donc pas trop de saloperies qui pourraient le ban Twitch. Parce que j'ai... Maintenant que je commence à être affilié. Oh l'enculé. Ouais non, ça passe, mais faut éviter de dire que t'aimes pas certains trucs. Ou des insultes un peu trop vénères, genre. Je suis en pierre là. Elle m'a changé en pierre cette connasse. Je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Moi je suis en Walking Dead. Moi j'ai commencé Games. Ah ça y est. Ouais. Ça m'a plu. Mais comme je suis aussi streamer que les droits, ça m'a plu. C'est quoi, ça m'a gavé, je peux être des trouver. Et moi c'était. Ouais. Ah ça. Ah non, ça va, par chez moi il y en a pas bizarrement, alors qu'il y a de la végétation partout autour. Ouais, moi il y en a un, bon. Mais là je suis en train d'entrer. Au moins il y a une fois sur le corps. Il y en a pas dans le goût.
Ah, il me faut du bronze. Ouais, ça va, ça va un peu mieux que ça. Ouais, bah oui. Ah bah c'est contemplatif. Hein. J'ai modifié les infos du stream. Castlevania avec les copains en vocal. Voilà. Ouais, je te disais, Max, du coup, ben, le... en fait, il est chez une famille d'accueil, mais pour pas que ça fasse suspect, il touchera pas à, sa... à la famille, tu vois, enfin, au couple, yes. Au couple de personnes âgées, tu vois. Et du coup, ils s'en vont. Je sais pas, tu sais, ils disent, bon, ben, on s'en va, le docteur, il vient vous voir, tu vois. Et t'as le docteur, il vient. Et Iwatum, c'est en train de faire, en train de lécher des morceaux de journaux, tu sais, pour se faire un nid, tu vois. Et le mec, fait, ce sont des masques en papier mâché, mais vous êtes un artiste, Eugène, bravo. Oui, j'adore l'art. Et après, effectivement, il le bouffe et il a fait son nid où se trouvait autrefois son appartement il y a 60 ans, si tu veux. Ouais. Sauf qu'à la place, ça a été démoli, ils ont construit un centre commercial. Ah. Et il a fait son nid sous un conduit qui se trouve sous la rampe d'escalator. Donc tu le vois courir dans les conduits, faire ramper après Mulder dans les conduits. Mulder réussit à s'en sortir et actionne carrément l'escalator. Ouais, c'est un croisement entre un cocon fort et Harry Potter sous l'escalier, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ah, il va tuer. Ah, j'aime bien les comparaisons étranges. Ah, j'avoue. Moyen de trouver des points de comparaison. Bon. Stranging comparison. Ah, comme diraient les gobelins d'en haut. Le temps, c'est de l'argent. Putain, quel con. Il a fallu que je me retape tout. Putain, tiens. Tu sais quoi, bro? On t'entend encore dans ta barbe, comme d'hab. Ouais, sors-toi le micro du cul, Thierry. Ah mais depuis que je le connais, je lui dis arrête de parler dans ta barbe, articule. Mais surtout qu'il en a pas de barbe. En face, c'est compliqué sinon. Le mec, il a un berbe. Si j'ai beaucoup de barbe. Mais ouais, t'as beaucoup de barbe, ça va. Je suis obligé de la raser tous les jours. Yuki, arrête de manger les fils du casque. Tiens, fais coucou à la caméra. Tiens. Attends. Bonjour. Ouais, tellement choupette. Il dort encore Ah non, il est réveillé. Il y a Arthas derrière moi. Attends, je me décale un peu. Sur le canapé, oh, mais on la voit, sa petite tête touffue d'ici. Non, c'est de ce côté qu'il faut que je me décale. Putain, il fait déjà nuit. Oh, tu sais quoi, j'avais tellement froid cet après-midi, je me suis ressorti la couette. Ouais, bah en même temps, toi, t'es en pleine montagne, donc forcément. Ouais, j'avoue. Allez, on se retape tout à pied. J'aime bien les musiques dans le jeu. Ils sont où? Oh putain. Tu vois, de suite, ça fait moins peur que Alien, hein. Oui, bah t'es plus en contrôle, on va dire. T'es moins le petit lapin apeuré. Puis j'ai des armes. T'as des armes. Bah dans Alien aussi. Ouais. Sauf que ce qui est con pour toi, c'est que dans Alien Isolation, le Xeno, il est invincible. Il y a le lance-flamme qui le fait fuir. Ouais, c'est tout. Ça le fait fuir, c'est tout. Parce que c'est pas le... c'est le lance-flamme, mais le lance-flamme. Nous, les drones xénomorphes avec Ibi hier, on les a éclatés à coups de lance-missile. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Ah ben voilà, moi qui m'inquiétais de plus avoir de bronze. Là, il y en a plein. Ouais, c'est reparti pour se retaper le temple. Heureusement, ça va, j'ai tué le boss. Enfin, j'ai tué le boss, non. Il m'a mis la misère.
là, elle empoisonne, mais c'est bien ça. Mon Genji griffe. Ça y est. Bon, il faut que je remonte là-haut. On va faire ça très vite. Franchement, il est je trouve qu'il est putain de fluide sur émulateur. Tant mieux. Hein. Bon, j'ai toujours cet effet de flou quand je stream là sur l'écran du stream parce que je suis en train de surveiller que ça se passe bien, mais bon. Non, moi, je vois pas de, j'ai pas l'impression de voir de flou. Bon, alors ça va. Mais ouais, je sais pas. C'est peut-être sur ton retour à toi. Hein. Parce qu'en tout cas, en stream, ouais. On dirait juste que tu streams un jeu Play 2, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais propre, sans pixel. Ne commencez pas à vous cracher, vous. Ouais, hein. non, propre, hein, pas avec juste bah, tel qu'il était à l'époque. Hein, ouais. Alors, je monte, je prends à droite, je monte, je descends. Ouais, allez, c'est bon, ça va aller vite. Dans 2 minutes, on est dehors. Enfin, 2 minutes. Oh, j'ai passé la matinée à ranger la cave ce matin, tu sais quoi. À un moment donné, j'ai commencé à sortir tous les cartons. Je cherchais, tu sais, la boîte de Madar de Ville. Ouais. Impossible de la trouver. J'ai fait, mais putain, c'est pas possible. Ne me dis pas que je l'ai jeté. Je l'ai pas jeté, c'est pas possible. Je suis pas con. Je remets tout en place et puis va savoir pourquoi. Je regarde les nouvelles étagères. Elle était dans le rack du bas. Je fais, putain, elle était là. Je fais, ça fait 1 heure que je la cherche, elle est là, quoi. Ça, c'est un des trucs les plus agaçants, c'est quand tu cherches un truc pendant une demi-heure, 1 heure, et que, au bout d'un moment, t'en as tellement marre, tu tournes la tête de désespoir, et là, tu vois l'objet en question, tu fais... Eh oui. J'étais juste à côté depuis tout ce temps, putain. Tu sais, c'est un peu comme celle, deuxième forme, quand il cherchait 18, et qu'au bout d'un moment, il lève la tête, et fait... Eh, t'es juste là. Pendant 2-3 épisodes, il se fait mettre la mort par Super Vegeta. Et après, tu sais, il tourne la tête. Elle était là. Un monstre rampant, ça s'appelle ça. Je vois pas en quoi. Oh putain, allez. Voilà. Ah, je m'ai trompé. C'est par là. A l'époque, sur celui-là, j'étais bloqué sur Play 2 quand je l'avais fait en 2006, Max. Ouais. J'arrivais tout juste à battre Isaac deuxième combat, donc c'était la fin du jeu. Bon, vas-y, ouais. Je vais me le faire. Et après, en fait, j'avais plus de soins et ça enchaînait avec la mort. Bah oui, parce que Isaac, il invoquait ses familiers au deuxième combat, t'as, tu fais super. Donc du coup j'étais bien dans la merde. Qu'est-ce qu'il a Thierry? Ouais, j'ai percuté une mule dans le stranding, du coup je l'ai. Une mule. Mais ça y est, t'as eu la PS5? Bravo, tu te réveilles. Qu'est-ce qu'il a dit? Bravo, tu te réveilles 2 mois après. Oh, mais j'en sais rien, moi. C'est... Ah, Julia, ma voisine. Ah oui, j'y ai pété la gueule. Hein. Et après, je suis allé dans la boutique de Julia. Et pour rien, parce que il y avait pas ce qu'il fallait. Oh putain, 5 personnes dans le live. Ah bah ça fait plaisir. Voilà. Ah j'aime bien le crucifix. Putain, je me suis tapé tout le chemin pour rien. Vas-y.
Bah allez Max. Ouais. Une petite blague dans le live. Il y a la méchante fée, c'est la fée Carabosse, et la gentille fée, c'est la fellation. Elle est connue celle-là. Mais oui, elle est connue. Hein. Ah, il y a un soigneur. Où il est ce con? Oh putain, je le vois. Voilà, Dark Sidious, ta gueule. Je pourrais lui équiper une épée à deux mains, mais il attaque avec une lenteur. Ah ouais, t'as pas moyen d'augmenter sa vitesse d'attaque? Non, regarde ce que ça donne, attends, je te montre. Non, je voulais pas lâche, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, c'est laquelle? Voilà. Oh, ça va, il y a plus lent quand même. Ouais, mais je préfère l'épée à une main, tu vois. Bah, de toute façon, là, le fouet laser, c'est. C'est une épée. Attends, j'avais pas. Ah, voilà. Ada. Tu sais que déjà, c'est conceptuel ce que tu viens de dire. De quoi? Un fouet laser était une épée. Non, non, c'est. Il est... Bon, épée laser ou fouet laser, je sais plus comment il appelle dans celui-là, mais. C'est une arme à une main, mais. Ah, elle a pondu un œuf. Elle fait des dégâts. Ah, je retourne pas à la boutique là, c'est bon. Est-ce que ce serait déplacé de remarquer qu'elle pond un œuf quand même relativement énorme par rapport à sa taille à elle? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, je sais qu'il y en a qui peuvent être larges de. C'est pas moi qui fais le jeu. Désolé le stream, c'est not safe for work. Je ne vais pas continuer dans cette voie là. Sinon c'est Kara qui va avoir des problèmes. Ouais, je viens d'être affilié donc tu sais. Mec, il est déjà banni, il a pas eu un, il a pas eu un euro, tu sais. Twitch pour avoir parlé de l'élasticité féminine. Ah, vas-y, regardez mon épisode tranquillement. Autant, c'est pas ça peut peut-être que les modos sur Twitch ça peut les intéresser hein. Ouais, mais les modos, c'est des gens que t'engages aussi. Enfin. Non, mais les. Oui, tu parles des modos Twitch officiels. Ouais, bon. Tu sais, ils vont après, c'est pas sorcier, ils vont te faire la chaîne, tu sais, c'est pas Maxime, tu vois. Je ne me porte pas volontaire pour ce programme. Ah, bah non, du coup, il y a deux personnes qui sont parties. Mais non, revenez, on parlait de l'élasticité féminine. Je t'avais dit que ça allait mal tourner. Oh là là, elle est fragile, hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je regardais le commentaire qu'avait mis ma voisine, c'est vrai, quand je suis arrivé dans le live au début, j'ai dit, putain, je vais lui casser, j'ai cassé le cul du dragon, j'ai dit. Putain, ça y est, à 20h, il fait nuit maintenant, putain, ça retombe vite, hein. J'ai hâte qu'il fasse nuit à 17h. Que ça veut dire que c'est le temps que la fête foraine est revenue, il va y avoir des churros. Parce que moi j'adore les churros, Maxime. Vous avez la fête foraine à Paye ou tu parles de la fête foraine de Nice? Bah, avant ça, il y a Monaco. Oui, aussi. En fait, je pense qu'on y va même plus pour les attractions, on va y aller pour les churros. Je vais crever! Attends, tu peux y aller que pour les churros. Hein. Ouais, j'avoue. Désolé, mais c'est pas... Bah, c'est toujours les mêmes attractions en vrai, hein. Non, c'est surtout que c'est pas beau, c'est moche. Bah là, à mon avis, ils vont surtout te demander, vous avez le pass sanitaire? Tu vas tomber sur le Thierry à un poste frontière et ah ouais, contrôler les Français qui rentrent. Bon, vas-y, je peux le dire là, je suis en live pour déconner. Il va y avoir Thierry. Il va kicker.
Ah, là là. Ah non, il va pas kicker, ça va. C'est l'enfant. Non, non, je t'ai pas kické, t'es en live, ça va. Je te laisse tranquille. Hein. Puis moi, je suis devant mon épisode, donc t'inquiète, j'ai pas les doigts sur le clavier. C'est étonnant que Sofia ne soit pas encore venue en mode mitraillette nous parler de Marvel Zombie. Ouais. C'est pas fou. Ah, je couperai Discord s'il fait la mitrailleuse. Au pire, je le kickerai moi à ce moment-là. Non, 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 mais t'inquiète, non, mais c'est pour pas. Non, mais parce que des fois il est en mode mitrailleuse lourde. Ouais, ouais, bah oui, c'est ce qu'on lui a dit. La Gatling, tu sais. Non, mais dis-toi, on le sait quand t'as envie de spoil, hein. On te dit non, n'en parle pas, tu continues quand même. C'est clair, bon, vas-y, c'est bon, je passe. On va aller dans la salle de sauvegarde. Quel niveau je suis ? Oh non, vas-y, attends, on prend un niveau pour 15 points d'XP. Dès qu'avant que ce soit, toi qui me l'explique, j'étais toujours persuadé que genre même les anciens Castlevania n'avaient pas de système de leveling. Enfin, que ton perso, il avait son statut de base avec ses capacités de base et tout. Ah non, non, ça tu c'est... Tu pouvais débloquer nouvelles armes, nouvelles attaques, nouveaux sorts et tout, mais pas qu'il y avait un système de niveau. Quoi. Ah non, non, ça c'est dans certains, c'est pas dans tous. Hein. D'accord. Ceux où tu joues les Belmont, par exemple, peut-être la Mante of Innocence, je sais plus, mais... les autres, où tu joues Simon Belmont, Richter Belmont, Trevor Belmont, ou encore... Ben non, c'est tout. Y a pas de level up. Hein. Okay. C'est le premier Castlevania level up, si je dis pas de conneries, c'est Symphony of the Night. D'accord. Après, si t'enlèves la Mante of Innocence, parce que je sais plus du tout s'il y a du level up, y a celui-là. Y a aussi. Je pensais juste, désolé, parce que je regarde un peu. Y a celui avec Soma Cruz aussi. T'as pas de touche pour esquiver leurs attaques, t'es obligé de les prendre quand t'es au corps à corps. Si, mais c'est alors il faut que j'appuie sur R1, sur croix en même temps, faut que j'esquive, faut que tu vois, c'est... Ah ouais, t'as juste pas envie de te faire chier quoi. Exactement. D'accord, je comprends mieux. Ah oui, j'aurais dû enregistrer le billet du souvenir, je suis vraiment un gros con, c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure. Arrête de t'insulter, Didi. C'est pas bien. Ah, oh, c'est pas grave. Hier, quand on m'a demandé si j'avais des maladies mentales, on m'a dit de tout cocher, donc... La réponse que je t'ai sortie hier... Est-ce que vous avez des handicaps? Être en couple, avoir une copine, ça compte? Non, moi j'ai mis « je vais me marier », tu vois. Ah, effectivement. C'est un stade 2, ça, au moins, monsieur. Bah alors, c'est quoi, ce nouvel endroit? Ah, moi ce qui m'a fait marrer c'est ta réaction tardive hier. Bon, sexe, bah homme hein. Ah bon? Ah ouais, enculé. Parce qu'on a fait enculé. Ah hier tu m'as tellement fumé de rire avec ça. Là tu m'étonnes. C'était magique. Ah, c'est quoi ça? Attire un démon. Ah! C'est quoi force brutale? Oh, si c'est le truc pour péter les murs. Putain, je vois ça où? Non, c'est pas ça que je veux voir. Comment je fais? Putain, c'est quoi ce talent, force brutale? Ah! Ah ben voilà! Soulever le sol permet aussi de soulever des objets lourds. Non, c'est rien, ok. Fiche. D'accord. Ok. Ok, c'est bon. Alors, je reprends ma petite fée. Ah, bah ça va, 57, il en manque pas beaucoup. Bon, je pense qu'on va la faire évoluer avant de couper le live. Ah, je le coupe dans une demi-heure, là. Après, j'irai manger. Ah, bah oui, je suis con. Faut qu'il soulève la porte.
Oh, il y a un nouveau familier. Il y a une porte jaune. Alors, ça va être qui? Ah non, c'est les téléporteurs. Ouais, mais je veux pas me téléporter en fait. Si? Non? Ouais. Ah! On verra plus tard. C'est-à-dire que les téléporteurs ne savent pas faire de forgerons. Ah, ça veut dire que les forgerons ne savent pas faire de téléporteurs. Le Castlevania magique, magique. Le Castlevania saucisse. Les gens qui vont passer dans ton live, ils vont être là en mode mais qu'est-ce qu'il raconte. J'avoue. Le Castlevania saucisse. Oh, c'est quoi ça? Ah, t'es encore là toi? C'était une vieille référence sombre. Ah, c'est cool. Je m'attendais pas à te croiser en 3D. Alors B1F. Donc là du coup t'es toujours dans le château de Dracula ou c'est un autre endroit? Ah non non, le château de Dracula pour l'instant il est pas apparu encore. D'accord. Non, j'ai fait Enfin j'explore. Bon ça va, je suis à 77. Je sais pas s'il faut que je descende au B1, s'il faut. C'est qui? Oh putain! Viens là toi! Un gobelin à trésor, non? Ou un truc dans le genre. Ouais, viens ici! Ah, je l'ai eu! Sort pour le paralyser ou quoi? Non, j'ai pas de sort. Il m'a rien donné. Oh, mais y'a que... Le mob en mode, non, tu n'auras pas mon loot. Mais viens ici! Eh ben, tu nages. Oh, ma potion! Merci. C'est pas grave de traverser. Et bah fouf, voilà. Voilà. Je me demande si je restreamerai pas le remake de Medieval aussi, tu vois. J'ai envie de me le refaire. Tu pourrais, hein. Bah surtout la première fois, j'avais passé 9 heures pour le finir. Ah, je me ferai une journée Medieval, tiens, un de ces 4. Peut-être samedi. L'arme du soleil. Ambre remplie de l'innocence du soleil. Ah, peut-être ouais, samedi matin. En milieu de matinée, tiens. Un petit midi. Bro, langage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il disait qu'il allait forniquer l'arrière-train de son camion, pour être poli. Bon, il peut mettre son... À vrai dire, je sais même pas quelles insultes sont bannies sur Twitch en dehors des propos homophobes, racistes et tout, parce que ça, bon, c'est normal, mais... Je sais pas. C'est bon, j'en vois souvent des gens, que ce soit des Français, des Anglais, s'énerver, dire FDP et tout ce qui va avec, tu vois. Et ils ont pas l'air de se faire ban, donc au final... Ah bah remarque... Moi qui suis trop strict... Je compte même pas le nombre, je vais le dire, je compte même pas le nombre de fils de pute que se lâche l'un qui était raciste en live ou en let's play, tu vois. Putain, la map elle est grande quand même. Ah ça y est, tu t'y es mis? J'avais regardé jusqu'à la fin de la saison 3, j'avais pas repris depuis, sous trop de séries à mater, et après j'ai zappé. Alors qu'est-ce que t'en penses pour le moment? Bah écoute... Qu'est-ce qu'il dit? Thierry, fais quelque chose avec ton micro s'il te plaît. Et bah rapproche-toi Jean-Jacques. Bah ouais, j'avoue. Ou je sais pas, mets Discord sur ton téléphone, prends l'oreillette du téléphone. Demain tu vas à Carrefour à Fontvieille, t'achètes un micro. Ou prends-toi un vrai casque gaming multiplateforme et au moins tu te fais plus chuer. Et t'arrêteras d'entendre des gens tous les soirs te dire Thierry, micro. Ah c'est sympa.
On dirait les catacombes de Paris. Non, Yuki, Yuki, non, pas le multiprise. Sors de là. Ah, bébé chat qui joue avec les câbles. Non mais c'est pas ça, c'est que si elle monte sur le multiprise et qu'elle m'éteint le bouton, là j'ai plus de live, j'ai plus internet, j'ai l'ordi qui est éteint, tu vois. Horrible le live. Parce que j'ai la livebox et tout branché dessus, donc... Ah oui, effectivement. Oh là là, on peut fabriquer des trucs. Ah mais les armes de poing, je m'en fous en fait. Arrête avec ce câble. Je vais frapper ton tête fort. Hein. Moi ça me fait penser aux catacombes qu'il y a dans Skyrim. Ah moi j'aurais dit Paris, tu vois. Mais non, mais d'ailleurs j'aurais dit, mais je l'ai dit. Que j'irai visiter. Mais je l'ai dit en plus, tu vois. Hein? Non. Non, la seule fois de, enfin, la seule fois de ma vie où je suis allé à Paris en 2018 quand on est monté au concert de FF, on a vu la tour Eiffel, on a vu Notre-Dame, et c'est tout. Pareil. Ah, on a vu McDo, on a vu Pizza Hut aussi. Ah, je crois que l'endroit que j'ai le plus visité à Paname, c'est le musée d'histoire naturelle. Ah, j'ai pas vu. Enfin, bon, après, à chaque fois qu'on faisait un saut à Paris avec ma mère, tu sais, pour prendre... la navette pour monter avec le train en Normandie. Ça y est. Quand on avait un moment, à chaque fois, je la faisais chier pour qu'on aille au musée. Je voulais voir les squelettes des dinosaures et tout. L'abeille tueuse. Ah, mais tu peux plus heal. Killer Bee. Ah, il y a encore une évolution. Zumebachi. Ah, putain, là, il faut que j'utilise des haches. Et elle évolue en tiramisu. Ouais. Ah non, attends, il y a Tiara aussi. Killer Bee plus 4. Ouais. Pourquoi il recommande Tiramisu? Tiramisu, elle fait quoi? Ah bah elle soigne toujours. Mais c'est sérieux là, ils sont allés appeler une fée Tiramisu? Je sais pas quoi te. Ouais. Pourquoi pas? Ah, je vais prendre un peu. Après tout, dans Pokémon, on a bien des trousseaux de clés et des dessous de plats. Alors on... Ouais, on a trousseau là, on a pitrouille. Pourquoi pas une fée qui chie des œufs 4 fois plus gros qu'elle et qui est capable de se transformer en gâteau à manger, hein. Oui, moi j'aime bien le tiramisu. Tu sais, ça me rappelle. T'as déjà vu cette vidéo du maillon faible? T'as la nana, elle nomine un mec, tu sais. Ouais. Et elle dit pourquoi vous l'avez choisi? Eh bah écoutez, parce qu'il s'est trompé, il aurait besoin d'être un peu plus réactif, répondre aux questions, parce que je le trouve fatigué. Moi je lui conseille de boire du jus d'orange, moi j'adore ça le jus d'orange. Et t'as l'autre qui dit c'est bien Eleanor, on est content. Laurence Boccolini avec son personnage en mode c'est cool ta vie, hein, on s'en bat les... Ah elle avait de ses punchlines dans le maillon faible. Bon écoute, bon voilà. Tu bois du jus d'orange, on est content pour toi, c'est bien. Tu sais, c'est Laurence Boccolini, voici Cérébro, c'est grand, c'est rond, c'est bien. T'as mais je dois me traverser combien de catacombes là pour sortir de ce temple? Bah en vrai je crois qu'après on va aller manger en fait. Oh, deux Slorga. Slogra, pardon, pas Slorga. Oh. Ah, voilà. Oh, mais... Oh, je vais vous... Mais ça... Mais oh! T'es pas en train de te faire légèrement enchaîner? Mais putain, mais je vais les... C'était le premier boss que je t'ai montré dans Symphony of the Night que j'ai torché rapidement quand j'ai fait le glitch. Ah oui, d'accord. Ah, j'allais dire pourquoi là. Oh putain. Mais... L'autre il fait la Beyblade. Oh, je vais vous démonter. Mais c'est quoi ce bordel? Putain.
Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? T'as pris un espèce de gangbang, Mini? Putain, mais sans déconner, c'est quoi ces trucs, quoi? Ouais, écoute pas, je reviens te manger, moi. C'est yeah, bon à bro. Ok, ok. À toute. Bon app. Putain! Ah ouais, forcément, je recommence de là, hein. Faut toujours dire non. Ah, c'est gonflant. Ouais, quand je sors de là, on va aller, je vais aller manger, ouais. Je vais pas tarder à faire la même. Peut-être après je me continue Nier. Putain, qu'est-ce que j'ai hâte d'en finir. J'en ai marre de me retaper je sais pas combien de fois l'acte 2. Mais tu le continues offline. Ouais. Tu restes en vocal ou... Oui, bien sûr. Tu te scapes. Non, je reste en vocal. Non, c'est juste que là j'en ai tellement eu marre de me le retaper que j'ai tout mis les combats en mode automatique. À part avancer le perso, je fais rien. Ah. Alors, on va aller activer le téléporteur. Je sais plus. Ah oui. J'allais continuer. Où j'étais allé là, je sais plus en fait. Bon, on verra bien. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être évident de se repérer sur les meubles. Ah, c'est celui-là, c'est horrible. Et l'autre, il arrive en sautillant, c'est col chic dans les prés. Je te démonte pour rester poli. Parce que sinon c'était je te nique. Vas-y, je reviendrai plus tard chercher ce que j'ai loupé. Hein. Oh, mon cerveau, il vient de me sortir un mélange d'influence. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je me suis imaginé le gars dont tu me parlais tout à l'heure, là, Isaac. Oui. Et je sais pas pourquoi, genre, ça a fait un mélange avec Karim Debache. Du coup, j'imaginais Isaac avec Dracula à côté de lui dire ça, c'est moi, ça, c'est mon copain. Dracula, ça, on va devenir le chef du monde. La musique de combat, elle est excellente sur Isaac. Et son pote Dracula Leader Price, Draculox. Alors lui, qu'est-ce que j'y ai mis comme misère à Dracula? Quel de biche que m'as-tu fait, putain. Ah oui, il faut aussi que je vole la gemme pourpre aussi, ça c'est pas évident ça. Ce sera le boss de plus tard. Ça te sert à quoi la gemme pourpre? Justement pour. C'est un des composants pour faire l'épée laser. Ah.
parce que en gros c'est quoi, c'est t'as déjà le plan de l'arme sur toi, mais il faut, il te faut les combos pour la tête. Non, elle va ça arrivera dans les combinaisons en fait au bout d'un moment, tu vois. Donc je vais ramasser plein d'items. Ouais. Et je crois que juste avant elle, ils vont me demander de forger l'épée des 7 éléments ou l'épée des 7 as, je sais plus comment elle s'appelle, et c'est une combinaison de toutes mes, de quasiment toutes mes autres épées. Ah oui, d'accord. Et une fois que j'ai celle-là, il faut que je combine cette épée-là, donc l'épée des 7 conneries là, et d'autres épées, je crois, plus la gemme pourpre, et j'ai mon épée laser. Donc tu vas... Du coup, après, tu te retrouves plus qu'avec une seule arme, mais ultra pété, quoi. C'est ça. Bon, après, les autres, elles me servent à rien, parce qu'en termes d'attaque, celle-là, elle fait mal. Hein. On a combien de points? Ah, 79. Voilà, ce que j'ai exploré tout à l'heure, je me rappelle plus ce qu'il y avait, je reviendrai. Vu qu'il y a le téléporteur, je reviendrai. Ah tiens. Ah alors là, on va pas recommencer comme tout à l'heure. Voilà. J'aurais pas beaucoup avancé dans l'histoire. Oh, après, si t'as bien farmé, écoute. Ah oui, je l'aurais pas fini cette semaine le jeu, ça c'est clair. Je pense streamer encore demain dans la journée, demain soir et vendredi, non. Après, par contre, samedi, on va y aller à cœur joie. On va s'en donner à cœur joie plutôt. Il se bat contre quoi, lui? Ah, voilà. Oh putain. La caméra de merde! C'est quoi ça? Ah, les ectoplasmes dégueulasses. Ça y est, au fait, on est sorti là ou... Oh, c'est long. Encore ? C'est quoi cette pause, Max? J'avoue. Ah! Chevalier squelette colère, très colère! Très colère! Désolé pour les bruits, j'espère que ça fait pas trop de bordel sur les... Non, t'inquiète. Ah, mais ça va pop à l'infini là? Oui, corps squelette, très colère!
Alléluia. Non, t'es sérieux, parce qu'après il faut que je remonte. Ah non, c'est pas ça. Mais pourquoi je suis descendu là? Elle est où la sortie? Je meurs tellement d'envie de te répondre quelque chose. La sortie, elle est pas là. T'es là ou t'es pas là? Ah putain, je sais. Ça y est, je sais. C'est bon, je me rappelle. Ah oui, je t'avais dit de vérifier à cet endroit-là en premier, tu vois. Non, non, c'est pas ça, c'est que... la sortie, en fait, il faut que je retourne... Je sais pourquoi il y a le téléporteur et tout, il faut que je retourne aux montagnes de Bailet. De Bajlet. Il est partout, celui-là, c'est fou, ça. Non, mais c'est pas le même, mais... En fait, il faut que je retourne à ces montagnes à la con. Et dans ces montagnes, il y a une porte que je pouvais pas ouvrir. Ah. Maintenant, tu penses que t'as la capacité d'ouvrir. Bah oui, parce que mon démon peut soulever les portes. Qu'est-ce qu'il a encore là? Oh là là, qu'est-ce qu'il a et tout violé là? Tu te serais pas fait empoisonner ou un truc comme ça? Non, non, mais. C'est en général, quand la hitbox d'un perso devient violée dans un jeu, ah, ça y est. C'est pour signifier un état de poison. C'est bon. Ou de peur. Non, j'ai pas peur. Non, mais tu sais, les sorts que t'as, même sur certains mobs de haut, tu sais, quand ils te firent, quoi. Mais c'est pas alien. Ton perso, il est incontrôlable pendant. J'ai pas peur. C'est pas alien. Ouais, tu me diras. N'empêche, hier, deux fois, il t'a baisé l'alien. Ah, putain. Après, j'osais plus soit. Non, mais c'est abusé, hein. Ah, moi, j'étais mort de rien, mec. J'étais en train de manger. Au bout d'un moment, je te revois passer dans le même couloir. Je te vois regarder la gouttière vers le haut comme ça, bien contourné en longeant le mur. J'étais en mode, ah, ça y est, il a compris. Bah, en plus, ce système de sauvegarde, c'est chiant parce qu'il n'y a pas de sauvegarde auto. Tu reprends vraiment en dernier. Ouais. N'empêche, tu vois qu'un détail auquel j'avais pas fait gaffe la première fois que j'avais testé Alien Isolation chez Yaya, c'est que apparemment, du coup, le Sébastopol, c'est une station qui appartient à Sixon. Oui. Et Sixon, c'est l'une des corporations qui est l'un des concurrents directs de la Weyland Yutani. Ah. Ouais. Ils sont gentils à la Weyland Yutani quand même. Oui. À dire qu'après, d'après ce que j'ai compris, dans les sous-sols de Singson, de la station Sébastopol, il y a carrément un nid à xénomorphes, donc il n'y en a pas qu'un. Ah oui. Parce que quand t'arrives à l'éjecter tu te dis c'est bon, je suis tranquille. Non, non, t'as les synthétiques, plus il y a des facehuggers. Et à un moment donné, à une caméra, je crois, ça te montre l'extérieur de la station, puis tu vois l'autre monter dans les conduits, tu fais oh boy. Ouais, puis s'il y a des facehuggers, ça veut dire qu'il y a une reine qui pond, quoi. Ouais. En plus, ce qui est marrant, c'est quand il marche, c'est pam 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 pam. Tu sais que j'ai jamais trouvé le temps de le faire ce jeu là alors qu'il m'intéresse de fou. Je l'avais attaqué une fois vite fait en FR, mais enfin après j'étais reparti sur d'autres jeux que j'avais à terminer d'abord. Et là il y a quoi, il y a quelques semaines Epic il l'offrait gratuitement. Bah moi c'est que... J'étais en mode cool, bah du coup je l'ai en version Legit, c'est nice. Depuis 2014 que j'ai peut-être un jour arriver à le faire. J'y arrive. À chaque fois je lâche l'affaire en fait. Et en plus, d'ici l'année prochaine, bon, s'il n'y a pas de retard, hein, d'ici l'année prochaine, tu pourras même te remettre sur le remake de Dead Space. Ah ouais. Bon,
Faudra faire gaffe à qu'il y ait personne à la fenêtre derrière toi. Ah, ça va, la fenêtre elle est là-bas. Pauvre vieillard ce soir-là, je m'en rappelle qu'on l'a rattrapé in extremis. Il a qu'à pas s'asseoir sur le bord de la fenêtre aussi. Hein. Voilà. Oui. On s'assoit pas, oui, parce que quand je suis énervé, je parle avec le subjonctif de l'imparfait. L'autre, elle est en train de trimballer sa balle de partout dans le salon. Les vitrines, Yuki! Comment je peux t'en vouloir avec cette tronche? Regarde avec les yeux, tu sais. Oh. Je peux pas en vouloir un bébé chat. C'est trop mignon. Eh ben, on y aura passé du temps dans ce putain de temple, hein. Ah, il y en a qu'une. Putain, quel con. Bah, c'est pas grave. Allez, vas-y, je vais retourner aux montagnes et je vais sauvegarder parce que là, j'ai faim. Samedi soir, je vais sûrement me faire livrer une pizza, tu vois. Ouais. Bon, j'ai plus de vues que d'habitude, hein. Ça fait plaisir hein, sur les vidéos. Hein. Ouais. Avant j'étais à 4-7 vues maximum. Et après, surtout ce qui est cool, désolé de te couper, mais c'est que t'interagis plus qu'avant aussi dans tes lives. Donc ça y fait peut-être aussi, tu vois. Parce qu'au tout début, je rappelle que entre le stress et la concentration, t'étais très taiseux, tu parlais pas beaucoup. Ouais. Bah après, mais c'est bon, vrai que voilà, quand je suis tout seul. Vu que tu te détends petit à petit. Ouais, bah après, c'est sûr que ça doit faire bizarre de parler à une caméra. Mais... Pardon. Eh ben alors. Eh ben. C'est pourtant, j'ai fait une sieste d'une petite heure tout à l'heure. Hein. Yuki, stop. Tu vas me détruire le salon. Oh putain. Profite que bientôt tu pourras plus ramper sous la vitrine. Par contre, je sais pas ce que je vais me faire à bouffer. C'est là l'entrée. Et voilà, j'en étais sûr. C'était ça, c'était obligé. Le magasin de Julia, il est là. Allez, nickel. Putain. Tu vois, je te l'avais dit. Voilà, nickel. Bon, on va arrêter le live ici. Je vais me faire à manger. Bon, bah, j'arrive sur Discord. Hein. Ouais, pas de soucis.
On était déjà sur Discord. Ouais, fait bon, non, mais j'arrive officiellement, quoi. On là. S'est compris. Allez, à de suite. À de suite. Et merci à ceux qui ont regardé le live aussi, bien sûr. Merci à vous tous.